L'éternel des armées, tu es le roi des corps, Seigneur. Tu es le roi du monde sauvage. Tu guéris, Seigneur. Tu nous exerces en combat, Seigneur. Merci pour cette visite-là. Tu nous fortifies, mon Père. Merci. Parce que c'est pour nous, Seigneur. C'est pour moi, Seigneur Jésus. Que tu es bon à la croix. C'est pour moi, Seigneur Jésus. Que tu es ressuscité, Seigneur. C'est pour moi, Seigneur. Que tu as remporté la victoire. Gloire et louange à toi. Moi, le résultat des trois derniers. Sois notre Dieu et notre Seigneur. Merci notre Père pour la grâce que nous accorde. Le privilège que nous avons d'être dans ta maison, Seigneur. La louange qui est au ton foi. Tu brises les chaînes, mon sauveur. Tu libères les cartouches, mon sauveur. Tu fais voir les affaires de mon sauveur. Tu relivres les occupés, Seigneur. Oh, voici encore un jour de grâce. Où nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur. Avec les cœurs sincères et purs, Seigneur. Et toi, tu descends pour nous bénir, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour pour nous. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Merci pour la parole que tu nous as donnée en ce temps de la fin. Nous réalisons, Seigneur, ce que toi tu as fait pour nous, Seigneur. Pour ce que tu fais pour nous aujourd'hui. Et pour ce que tu feras demain, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, notre Dieu. Nous sommes venus fatigués. Mais dans ta présence, nous crions à toi. Nous te louons, nous t'exaltons. Parce que tu nous fortifies, Seigneur. Tu nous restaures, notre Dieu. Nous sautons, Seigneur, comme des fils et comme des faux. Dans ta présence, tu sais qui toi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Ton cœur à ton Seigneur. Aucun homme n'est comparable à toi. Aucun Dieu de la terre ne peut te ressembler, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur Jésus? Oh, je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Dans le ciel, je n'ai pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Oh, regarde que nous, ton cœur se bénit. Et n'oublions que le plaisir de Seigneur. Merci pour la guérison que tu m'as accordée. Merci pour la guérison que tu m'as accordée à ma soeur. Merci pour la victoire que tu m'as accordée. Merci pour. Et puis toi, je nous accorde, mon Père. Merci, ma soeur. Tu vis les chaînes, mon sauveur. Tu vis bien, Seigneur, mon Dieu. Tu fais tomber les écailles, mon Dieu. Nous pouvons t'adorer, notre Dieu. Nous pouvons t'exalter librement aujourd'hui, Seigneur. Parce que le péché est que je suis, Seigneur. Gloire à toi, notre Père. Oh, il n'y a plus de Dieu sans ta présence, Seigneur Jésus. Dieu, brise les cœurs, Seigneur. Dieu, brise les chaînes, Seigneur. Dieu, Seigneur, accorde nos cœurs, mon Seigneur. Nos âmes, nos puissances à toi. Qui notre union, mon sauveur. Que ce soit que de parole à l'éternel. Seigneur, touche mon cœur, mon cœur. Touche mon âme encore ce soir, Seigneur. Que ta parole que tu as touché ce soir puisse encore toucher nos cœurs, mon sauveur. Enlève les fils de mon sauveur. Nous voulons et nous recevoir ta parole pleine, mon Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis nos serviteurs. Par la bouche que tu prends quand tu parles. Merci pour les chants et les cantiques. Merci pour l'adoration et la louange, mon Dieu. Bénis ta parole, Seigneur. Nous voulons et nous recevoir. Notre cœur, mon sauveur. Fais grâce à nos vies, mon sauveur. Et moi, dans cette vie, Seigneur. Merci pour notre Dieu. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté, pour l'éternité, notre Dieu. Nous te louons et nous t'adorons. Parce qu'il n'y a pas de Dieu sans grâce à toi. À toi la gloire à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons les suppliés. Gloire à toi, notre Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ta présence parmi nous. Merci parce que ta présence ne fait jamais défaut. Bénis-nous encore ce soir. Accorde-nous ta grâce. Nous voulons rentrer dans ta présence éternelle. Par le Saint des Saints, rencontrer la Shekinah de Dieu très haut. Viens nous bénir Seigneur. Tu as fait de nous avec nos sacrificateurs. Tu nous as lavé par le sang de Jésus. Ce sang qui est au-dessus de tous les sangs, mon sauveur. Le sang de Dieu très haut. Tu nous as lavé, tu nous as purifié. Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi avec des cœurs purs et sincères. Seigneur, accueille-nous, Seigneur, ce soir. Bénis-nous, notre Dieu. Entends et exauce nos prières. Car nous te laissons avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, le 621, l'agneau de Dieu, Dieu qui est péché du monde. Sois béni à jamais, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse chaud. Nous disons la parole du Seigneur. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier.
La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu sera-t-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Amen. L'Éternel est dans le camp. L'Éternel est dans le camp. Moi, j'ai gardé le confiance. Nous avons le repos, mon Dieu, le pain, nous avons l'assurance, mon Seigneur. Lorsque nous pouvons chanter, réaliser que tu es présent, que tu es là, mon bien-aimé Seigneur, pour nous garder, pour nous protéger, pour nous conduire, mon Seigneur. Combien nous sommes heureux, Seigneur Jésus, et combien nous sommes vraiment reconnaissants, mon Sauveur. Ce que tu veilles sur ce que tu as arraché des pains. Mon Dieu, ce que ta main en toi a arraché de la terre tout puissant et que tu conduis encore aujourd'hui, mon Père. Nous te remercions encore pour ton amour. Nous te remercions encore pour ta bonté. Nous te remercions pour tes compassions. C'est vrai, comme nous l'avons entendu. Quel autre ciel est-ce que toi? Et sur la terre, on ne prend plaisir qu'en toi. Nous te remercions, mon Sauveur béni, d'avoir choisi notre Dieu, d'avoir accordé la grâce de voir réellement te connaître, toi, d'avoir cet amour à ton endroit pour te chanter, mon bien-aimé Père Saint.
pour te louer, pour te glorifier et avoir la joie de pouvoir te servir, toi, le seul vrai Dieu, Père. Je te remercie encore pour tous nos frères et sœurs, Père. Oh Dieu, pour les témoignages que nous recevons en différents endroits, Père. Des âmes qui se confient davantage en toi, Père Saint. Oh, dans le cœur desquels tu travailles encore puissamment, Père. Tu transformes, tu agis encore. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci que tu guéris encore aujourd'hui. Merci que tu exauces nos prières, Père. Merci que tu nous soutiens encore par ta main, Seigneur. Nous te sommes vraiment reconnaissants, notre Dieu. Sois béni encore ce soir, notre Père, pour ton amour à notre endroit, pour le pardon de nos péchés, mon béni, Seigneur, mon Dieu, pour la grâce d'être vraiment à toi, oui, Père, d'être conduit, d'être éclairé, d'être soutenu, Père. Oh Dieu, d'être enseigné par toi, Père. C'est vrai, tu nous amènes à toi, mon bien-aimé Père, oh Dieu, nous éclaire encore davantage, mon roi. Tu veux que nous soyons sûrs de toi, notre Dieu. Et ta parole à toi, mon bien-aimé Seigneur. Et ton amour à notre endroit. Et aussi ce que tu as fait comme promesse pour nous aussi, Seigneur. Nous le croyons, Père. Nous te remercions encore ce soir pour le cœur qui t'ont chanté avec allégresse, mon Père. Le chant des cantiques sont montés vraiment au devant de ton trône. Comme un parfum de bonheur, Père, car nos cœurs t'ont chanté avec joie, mon bénémoine Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes soeurs, qui se sont réjouis encore ce soir dans ta maison à toi, mon sauveur. Merci encore pour les psaumes, mon notre Dieu. C'est vrai, nous savons que tu es un Dieu qui veille sur ta parole. Nous voulons pas ressembler au monde, mon bénémoine Seigneur. Nous voulons simplement être à toi. Béni sois-tu encore, mon sauveur. Éclaire-nous encore, Père. Nous prions pour tous nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion. Partout ils sont encore ce soir, Père. Qui soit aussi béni et gardé par toi, par d'avoir ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai, nous connaissons, nous reconnaissons ces dieux qui agit encore aujourd'hui et qui accomplit encore de merveilles. Il est ces dieux qui entend nos prières. Non seulement il entend, nous avons l'assurance que s'il entend, il exauce aussi. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait et aussi la grâce de pouvoir savoir que jusqu'à ces jours, il ne nous a jamais abandonnés. Il a fait la promesse, il est vraiment fidèle. Nous nous sommes infidèles et lui demeure fidèle. Comme l'Écriture le dit, certainement, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Nous voyons que le Seigneur, notre Dieu, si il n'était pas là, que ferions-nous aujourd'hui? Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur. Qu'il te bénisse richement. Content de te savoir là. Amen. Nous savons que le Seigneur a pris soin de toi. Nous remercions notre Dieu. C'est une grâce, Amen. Une consolation quand nous pouvons aussi nous retrouver. Et nous dire que notre Dieu prend soin de chacun et nous conduit. Nous sommes de ceux-là qui louent le Seigneur parce que nous savons qu'il est pour nous. Amen. Nous sommes de ceux-là qui chantons avec allégresse parce que nous savons où nous étions. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se battent la poitrine pour dire que nous sommes. Nous sommes élus. Baisse la tête pour nous, Seigneur. Souviens-toi de nous. Amen. Nous remercions vraiment pour cette grâce de nous avoir aussi retirés de courbier où nous Amen. Étions pour faire de nous un peuple saint aujourd'hui. Un peuple qui loue, un peuple qui l'adore, un peuple qui le sert. De tout son cœur. Nous sommes heureux parce que nous avons cette assurance en lui que nos yeux le verront. Amen. Il a dit que le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Amen. Vous me verrez parce que je vis, vous vivrez également aussi. Nous vivons parce que notre maître vit. Et il est notre rédempteur. C'est lui qui a vainement le droit de rachat sur nous. Amen. Combien nous ne pouvons que chanter les chants des Sion pour la gloire de ces dieux qui est digne de pouvoir recevoir l'honneur qui vient réellement des fins fonds de notre cœur et les louanges vraiment de notre lèvre pour lui dire combien nous l'aimons et combien nous sommes heureux de pouvoir être ses sujets. Nous acceptons certainement depuis notre cœur d'être ses esclaves, de pouvoir se soumettre simplement à lui. Nous le supplions de tout notre cœur pour qu'on puisse se soumettre vraiment. Et le cœur et l'âme et l'esprit se soumettent à lui afin que lui obtient effectivement ce qu'il attend de nous, comme David pouvait le dire. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole de l'Éternel? Et j'insère la parole, ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons vraiment que Dieu nous accorde cette grâce, parce qu'il a fait la promesse d'écrire cela dans notre cœur, de sa parole, afin que nous puissions vraiment l'aimer davantage. Nous sommes un peuple qui
qui marche effectivement et qui sait que sur le chemin, il y a un cantique que nous chantons, sur le chemin va sans fin. Car le Seigneur est celui qui est au devant de nous. Amen. Alors nous le remercions vraiment. Nous allons nous lever pour lire dans le livre de Ézéchiel. C'est là que je pense, c'est Ézéchiel, au chapitre 9, je crois que c'est ça. Ézéchiel, au chapitre 9. Lisons à partir du verset 1. Ézéchiel 9. Verset 1 dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel de Rhin. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du milieu du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils s'y commettent. Et s'adressant aux autres en présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire, et commencez par les anciens qui étaient là, qui étaient devant la maison, il leur dit, suyez la maison, et remplissez de mort le parvis, sortez, ils sortirent, ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je me criais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tous ceux qui restent d'Israël en répondant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de justice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture, rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Amen. Amen. Que ton nom soit béni. Tu es vraiment Dieu. Tu es juste dans ta façon de pouvoir faire les choses au Père. Le seul juste, c'est toi, mon bénévole Seigneur. Et nous te remercions encore ce soir de ce que nous pouvons être parmi les vivants, Père. De la grâce de pouvoir être là pour entendre aussi ta parole, Père Saint. Puissez vraiment nous aider, mon sauveur béni, à pouvoir se conformer à ta pleine volonté, à pouvoir réellement nous approcher à toi. Seigneur, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton secours et ton soutien. Et ce soir, rassemblés en ces lieux, nous t'implorons aussi la grâce de pouvoir encore nous instruire. Tu connais nos cœurs, tu connais réellement, parce que tu dis, c'est toi qui sommes les reins et les cœurs. Aide-nous encore ce soir, parle-nous mon Père et aie pitié de nos pères. Je te demande cette grâce pour moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Certes, la lecture a été quand même longue, c'est pour que nous puissions voir aussi la chose et comprendre réellement comment cela s'est passé, se passe effectivement ce que le Seigneur, notre Dieu, déclare. Nous remarquons que vraiment Dieu est Dieu dans sa façon d'être et de pouvoir faire aussi les choses. C'est pour ça que nous avons toujours besoin que ce Dieu s'approche de nous pour pouvoir nous instruire. Je n'ai cessé de pouvoir répéter en disant, on ne s'habitue pas à Dieu, on ne peut pas s'habituer à lui. Et on doit réellement réaliser qu'il est Dieu et il reste toujours divin, effectivement. Et l'approche vers ces dieux ne peut pas se faire comme nous voulons, ou en ce qui concerne aussi ce qui le concerne, les choses qu'il veut et qu'il a fait, et qu'il veut qu'on fasse, on ne peut pas le faire comme nous le voulons. Nous devons faire les choses comme Dieu le veut.
Parce qu'on a tendance à pouvoir penser que Dieu ne voit rien, comme nous l'avons entendu ici, effectivement. Mais en fait, Dieu voit tout. Amen. Il dit que je suis l'Éternel qui sonde les reins et les cœurs. Donc réellement, ils sont de la profondeur de nos pensées. Et d'ailleurs, nous réalisons cela parce que c'est ce que même l'époque de David pouvait les dire dans les psaumes que nous aimons tous lire aussi bien ici, je crois. Et je crois que c'est dans les psaumes 138 ou 139, quelque chose comme cela. Juste jeter un coup d'œil là-dessus et puis nous revenons ici vite dans le livre d'Ézéchiel. Pas le psaume 138 ou 139, je pense que c'est ça. Nous les lisons aussi souvent, cette source. Voilà, sans problème. Il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Amen. Tu sais quand je m'assieds et quand Amen. Je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Amen. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Amen. Et tu pénètres toutes mes voies. Amen. Car la parole n'est pas sur ma langue. Et déjà, ô Éternel, Amen. Tu la connais entièrement. Amen. Donc, ce qui veut dire que le Seigneur connaît la profondeur du cœur de chacun de nous. Amen. C'est pourquoi la sincérité dans le cœur de l'homme est quelque chose d'important. Amen. Dieu veut que nous puissions être droits et sincères. Amen. Alors, là, nous pouvons voir effectivement que c'est Dieu qui sonde le rein, c'est le cœur. Il a vraiment une ligne de conduite qu'il a établie et auquel il ne peut pas changer. Dieu ne peut pas changer ni sa parole, ni sa façon de pouvoir faire les choses. En fait, c'est pour ça d'ailleurs, nous avons lu à maintes reprises, je pense que c'est l'apôtre Pierre qui le dit, il dit, la parole de Dieu ne nécessite aucune interprétation particulière. Donc il n'est pas donné à l'homme de pouvoir interpréter la parole de Dieu. Il est donné à l'homme, va simplement lire la parole, prêcher, c'est Dieu lui-même qui est censé pouvoir interpréter sa parole. Parce qu'à ce moment-là, la Bible a raison quand elle dit que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Parce que la connaissance exacte de la parole de Dieu ne vient que de Dieu. C'est pourquoi on nous a toujours parlé, insisté sur la révélation. Aucun prédicateur ne peut vous donner la révélation. Peu importe la connaissance qu'il peut avoir, le seul qui peut donner la révélation, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il est toujours dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous voyons ici effectivement que le tableau nous est montré où il se passe quelque chose effectivement qui va se passer en réalité. Et là, nous voyons que avant que cela ne puisse se mettre en place, Dieu est vraiment merveilleux. Il a des principes à lui, effectivement. Il ne mélange jamais les choses. Il sépare toujours. Depuis le début, effectivement, il a toujours montré son caractère et sa façon d'être. Lorsque la lumière et les ténèbres étaient mélangées ensemble, il a séparé la lumière des ténèbres. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il ne peut pas mettre le méchant et les justes, effectivement, dans le même et subir le même sort. Donc Dieu, effectivement, c'est pourquoi, quand il envoie sa parole, c'est pour avertir l'homme. Amen. Afin que celui qui veut se laisser avertir puisse échapper, effectivement, à ce qui va réellement venir. C'est pourquoi vous pouvez entendre que la parole nous fait savoir, effectivement, que Dieu envoie sa parole, il envoie ses serviteurs, effectivement, comme les sentinelles, pour pouvoir prévenir ainsi. Alors là, nous lisons que, au verset 1, il dit, « Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles en disant, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici donc six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté de cet entrion, chacun son instrument de destruction à la main. Donc, ces hommes, effectivement, sont venus parce qu'il y avait donc un jugement qui devait réellement s'abattre. Ils sont donc appelés, ils se sont approchés. Normalement, comme ils ont été appelés, ils devaient directement aller et faire, effectivement, leur travail. Mais l'Écriture nous fait savoir qu'au milieu d'eux, ici, il dit, il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. Et il décrit d'une manière spécifique, effectivement, il fait sortir
cet homme, effectivement, du groupe dans lequel les autres se trouvaient. Il dit, au milieu d'eux, il y avait un homme vêtu de lin. Cet homme n'avait pas ce qu'ici, il dit, voici eux. Parce qu'ici, il redevient. Verset 1, il dit, il donc, approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Vous avez entendu? Donc chacun avait son instrument de destruction à la main. Mais au milieu d'eux, il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin qui portait une écritoire à la ceinture. Et il vint se placer donc près de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sous lequel il était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin qui porta une écritoire à la ceinture. Pas celui qui avait l'instrument pour détruire, mais l'homme qui avait ici, qui était vêtu de loin, de lin, et qui portait l'écritoire à la ceinture. Mais pourquoi est-ce que cet homme-là a été appelé parmi ceux qui étaient là avec les instruments de destruction à la main? Lui, il avait l'écritoire avec lui, et il était vêtu de lin. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé et pas les autres, effectivement, parce qu'ils étaient tous ensemble? Et c'est là qu'on voit, effectivement, que Dieu est un Dieu qui est bon. Amen. Dans son amour, c'est vrai, quand on dit que Dieu est vraiment amour, l'amour, c'est Dieu lui-même. Et au fin fond, quand vous avez l'amour, vous n'avez pas le désir de faire du mal. Amen. Frère, c'est vrai. Pensons, et c'est vrai, c'est pourquoi l'amour ne pense pas du mal. Vous connaissez les commentaires, non? Amen. Il ne soupçonne pas le mal, il ne pense pas le mal, effectivement. L'amour fait toujours du bien. Amen. C'est comme ça qu'est Dieu. Il pouvait directement dire, allez, détruisez. Non, il dit, toi, l'homme, là, qui est vêtu de l'âme. C'est lui toujours. Hein? Frère, qui est celui qui a pourvu à la miséricorde? C'est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc la miséricorde vient de Dieu, la grâce vient de Dieu. Amen. Il pouvait aussi détruire tout, frère. Mais il a dit, il manifeste sa miséricorde. Alors, mais c'est vrai, parce que quand on peut voir qui est obligé à pouvoir un agneau, il ne peut pas pouvoir, il pouvait détruire simplement. Mais il a donné un substitut aux gens. Donc ça, c'est toujours, parce que, et c'est vrai, la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne peut. Dieu est vraiment amour. Il a appelé cet homme-là parce qu'il avait une raison. Mais il ne peut pas changer sa parole. Mais il trouve toujours, effectivement, ouvrir un chemin pour que celui qui veut être sauvé trouve la possibilité d'échapper au jugement. Le jugement, il a décrété, mais avant que le jugement ne tombe. Il donne la possibilité à celui qui veut vraiment être sauvé, qu'il soit sauvé. Regardez, il dit, quand il est venu, il dit, l'Éternel lui dit, avant que ceux qui devraient passer détruire, l'Éternel lui dit, mais passe au milieu de la ville. Avant la destruction. Au milieu de Jérusalem. Et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ces hommes et ces femmes, effectivement, cela avait été donc mélangé avec toutes les populations qui étaient là parce que le jugement allait frapper la ville dans laquelle tous les hommes habitaient. Mais au milieu de cette ville, effectivement, de cet endroit, il y avait effectivement des hommes qui étaient au milieu d'eux, et aussi des femmes, effectivement, qui avaient une autre attitude, en fait. Les choses se passaient, effectivement, dans la ville comme tout le monde, et prenant plaisir comme tout le monde, effectivement, mais eux, ils avaient une attitude. Remarquez très bien, frère. On ne les a pas dit, bougez-vous, mettez-vous de l'autre côté, effectivement. Ici, l'Écriture dit, mais passe au milieu. Et regarde, effectivement, c'est lui qui soupit. C'est lui qui gémit. Vous savez, on ne peut pas, je te dis, quand quelqu'un voit soupir ou gémir parce qu'il chose, il voit mal. Non, c'est quelque chose qui vient de l'homme. Donc, soupirer et gémir, c'est-à-dire que ça te fait souffrir toi. On ne peut pas dire, frère, on vous enseigne à voir souffrir pour le mal et de rassurer. Quand vous voyez le mal, vous souffrez. Non, ça, on ne peut pas vous enseigner ça. C'est quelque chose qui est en toi, soupirer, gémir, c'est en toi. Donc tu gémis sur quelque chose qui a une action sur toi et qui t'attriste toi. Vous comprenez ça? Donc c'était comme ça, effectivement, que ces gens, au milieu, ils gémissaient et soupiraient après toi. La Bible dit qu'effectivement, quand les chrétiens, ils soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent.
Mais parmi eux, effectivement, il y avait de ceux-là qui prenaient plaisir. Donc ils trouvaient, les uns trouvaient tout cela était tout à fait normal. Mais ces gens-là qui soupiraient ainsi, ils trouvaient que les choses n'étaient pas normales. Ce sont des choses qui ne sont pas normales à pouvoir réellement vivre. On ne peut pas, ce n'est pas normal. Ils ressentaient qu'en eux-mêmes, ce n'était pas bon. Et ils soupiraient, ça le travaillait au plus profond. Et il dit, mais lorsque tu passes effectivement au milieu de la vie, qu'est-ce que tu fais? Tu observes les gens. Tu vois leur réaction. Mais en fait, mon frère et ma soeur, comment est-ce que toi tu connais la différence entre le bien et le mal? C'est quand? C'est la parole de Dieu. Bien sûr. C'est quand la parole de Dieu est prêchée. La réaction que toi tu as à l'endroit de la parole, Dieu le voit. Dieu voit effectivement comment, même, vous savez, quand on est ici, on reçoit la parole de Dieu, on est dans la joie. Vous savez pour quelle raison? Parce que le Seigneur est là. Amen. Sa présence est là. Amen. Sa puissance est là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Amen. Et la parole est prêchée, la vie vient. On reçoit la parole avec beaucoup de joie. On se réjouit effectivement parce qu'il est vivant, il est là, il est présent. Mais le problème, c'est quand nous sortons d'ici. C'est ça la différence. Là, on reçoit, mais quand on sort d'ici, est-ce que cette parole que nous avons reçue, en fait, elle a toujours la même influence en nous, comme quand nous l'avons reçue, ou bien nous retournons dans ce que nous étions comme quand nous sommes venus? Parce qu'on peut être dans la présence du Seigneur, on reçoit la parole, on se réjouit, c'est vrai, c'est la vérité, c'est juste, c'est Dieu, gloire à Dieu. Et quand on sort, parce que Dieu peut t'avoir repris effectivement sur ta façon de parler, ta façon de faire effectivement. Mais quand tu sors, comment en fait tu réagis effectivement? Parce que vous savez, juste quand on termine ici, on va de côté pour pouvoir manger dans la salle où nous mangeons. Où nous avons communion avec nos frères et sœurs que nous venons juste avoir communion avec eux autour de la parole, dans la présence du Seigneur, effectivement. Comment est-ce que notre cœur réagit? Est-ce que cette parole a encore l'influence au-dedans? Parce que c'est cela qui fait que dans leur vie maintenant, ça travaillait. Parce que mon frère et ma soeur, personne ne connaît la différence du bien et du mal si Dieu ne lui a pas apporté ça. Amen. C'est la parole qui dit que ça c'est bien et ça ce n'est pas bien. Vous vous souvenez encore, non? Quand Pierre était là assis dans l'extase là-bas sur le toit. Vous vous souvenez? Amen. Eh bien oui, il dit, mais Seigneur, ça on n'a jamais mangé. Mais c'est vrai, il dit, mais moi je t'ai dit maintenant. Que ça, tu le manges. Ce que j'avais comme pur, ben, vous n'avez pas comme pur. Donc il dit que c'est Dieu qui nous dit que ça c'est bon et ça ce n'est pas bon. Amen. Dieu est la parole. Amen. Donc quand nous entendons cela, comment nous réagissons? Donc, effectivement, parce qu'il est bien parlé de la vie de Jérusalem, n'est-ce pas? Ah ben, donc, effectivement, ben, ils entendaient effectivement ce que le prophète, c'est qu'on leur disait effectivement comment. Dieu parlait effectivement par le prophète. Alors comment il recevait la parole? Comment il réagissait effectivement en rapport avec cette parole-là? Parce que ce que Dieu disait comme abomination, c'est une abomination. C'est comme dans la Bible dit qu'une femme ne peut pas porter les vêtements d'homme. C'est une abomination. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais oui, tu entends ça effectivement et tu chantes, effectivement, tu as une jupe ici. Mmh. Mais quand tu sors, tu vas au travail. Mmh. Vraiment. Gloire à Dieu, Seigneur, tu es merveilleux, la parole est glorieuse. Nous, on va aller au ciel, nous monterons. C'est bien. On se réjouit ici, et quand on sort maintenant, on va au travail, tu regardes à gauche et à droite, paf, dans le casier, le pantalon, tchoum. Frère, c'est ça, vous savez. Mais la Bible dit qu'effectivement, qu'une femme ne peut pas voter de vêtements d'homme. Amen. Tout ce qu'il y a, tout ce qui est effectivement en relation avec l'homme, quand tu le portes en tant que femme, tu es en abomination à l'éternel. Vraiment, mon Dieu. Donc c'est pour dire qu'effectivement, que ces hommes et les femmes, effectivement, quand ils entendaient, donc quand ces choses-là étaient devant eux, c'est parce que leur cœur, leur âme avait accepté. Ils ont cru que ce que Dieu dit est toujours vrai. Amen. Ça peut venir que dans ma pensée, je dise, non, certainement, j'ai discuté. Oui, c'est vrai, l'esprit humain, l'homme en soi, discute toujours, en fait. Il a ses raisons. Mais moi, je me dis, non, je n'ai pas de raison à pouvoir avancer. Pour moi, ce que Dieu a dit, même si ça me fait trop mal, même si ça ne reprend pas ce que moi je pensais, mais si c'est ce que Dieu me dit, moi, dans ta parole,
eh bien, j'accepte ce que Dieu a dit, parce que Dieu a toujours raison. Même si je ne comprends pas pourquoi maintenant. Mais certainement, il a une raison pourquoi plus tard, je le comprendrai. Amen. Moi, j'accepte. C'est cela que l'Écriture dit, mais qui gémissent, qui soupirent après les abominations qui s'y commettent, effectivement. Parce que il peut dire, mais nous étions ensemble avec lui dans la salle. On s'est réjouis ensemble, la parole est sortie, on croit en ces dieux. Et on est sortis ensemble, on dit, mais contre sa langue, et c'est la première à pouvoir m'insulter. C'est un exemple que je donne. Oui. Alors, la personne qui est là à côté, il dit, mais Seigneur, c'est pas possible, mon Dieu, mon âme. C'est pas possible que, juste en sortant de la réunion, après une telle onction, après la présence du Seigneur, après l'avoir chanté comme ça en esprit, la parole comme ça. C'est comme si on a fourré au pied ce qu'on vient de pouvoir manger. Et puis, il faut, mais oui, de toute façon, tu comprends, c'est pour le travail. Il dit, sœur, quand même, c'est pour le travail. Les pantalons, je travaille ici, et puis quand je sors, ben, je ne mange plus. Aïe, aïe, aïe. Si, alors faisons aussi comme ça. Moi aussi, je trouve un travail restaurateur. Et si, il faut mettre la jupe. Et puis, je mets la jupe pour prêcher, je mets le pantalon. Je viens ici. Je crois que c'est abominable, non? Amen. Vous ne trouvez pas? C'est ça. Vous ne trouvez pas? Frères et sœurs, nous devons réellement. Enfin, nous devons être conscients. Est-ce que le Seigneur, notre Dieu, montre ici ce que. Regardez, parce que cet homme, avant que la destruction ne vienne. Et c'est vrai que Dieu avertit toujours, et puis les jugements viennent par la suite. Avant que la destruction ne vienne, la miséricorde et l'amour de Dieu s'élance pour les hommes. Il appelle l'homme vêtu de lin. Il n'avait pas l'instrument pour la destruction, non, l'écritoire. Oui. Et cet homme, il dit, mais toi, va d'abord. Parce que je ne veux pas mélanger les tout. Va d'abord. Va voir effectivement. Regarde au milieu de la ville. Vous sonderez effectivement. Bien sûr, mon frère. Parce que ce n'est pas l'hypocrite que Dieu parle ici. C'est l'homme ou la femme qui est sincère. Amen. Qui quand il est vraiment touché, il est vraiment sincère. Même si vous le voyez dans son lit. C'est comme Anne. Vous vous souvenez d'Anne, non? Dans le coin de son, là où il était le temple, il était là en train de pouvoir pleurer parce qu'elle était tellement dans son attristé, souffrant parce que sa concubine, effectivement, donc là, effectivement, il crée des problèmes. Vous vous souvenez, non? Donc là, il était là vraiment touché, sincère devant Dieu. Mais quand elle dit, je le regardais, il dit, avouer une mauvaise pensée à l'endroit de Anne, alors que. Elle était vraiment. Mais Dieu voyait le cœur d'Anne. Amen. Donc, quand on reparle, effectivement, ce sont des personnes qui sont sincères et qui vraiment. Ils ne sont pas pour les battre. Parce qu'il y en a des semaines qui exagèrent. Hein, pour montrer qu'ils sont saints. Trop, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que le cœur, ton cœur à toi, un cœur double, c'est un cœur que Dieu rejette. Amen. Un cœur vrai. C'est-à-dire que tu regardes et dis, mais c'est vraiment. Parce qu'au-dedans de toi, tu es touché. Amen. Donc tu gémis, tu dis, mais Seigneur, c'est pas possible, mon Dieu. Comment faire? Comment faire? Amen. Je vais prier pour la personne, mais c'est pas possible. Comment tu peux aller jouer? Ah oui, mais vous savez, beaucoup d'explications. De toute façon, ben, le Seigneur comprendra. Le Seigneur fera ceci. Mais le Seigneur et les Seigneurs descendent par où? Alors il dit, mais passez au milieu, vois. Donc quand il passe, en fait, au milieu, effectivement, il regarde, il voit les gens qui sont sincères, qui soupirent vraiment, qui pleurent vraiment, qui dont le cœur est vraiment brisé, sincèrement, mon frère. Ceux qui jouent à la comédie, ils passent au chemin. Ah oui, bien sûr, effectivement, ceux qui sont des pharisiens, ils passent au chemin. Ils regardent, effectivement, ceux qui sont vraiment sincères. Vous vous souvenez avec les publicains, hein? Par rapport à celui qui dit, moi je jeûne tous les trois jours, moi je prie Dieu, je m'incline devant Dieu, et puis je donne mon offrande. Mais je te dis, Seigneur, je suis pécheur, je te demande grâce. Aie pitié de moi, je ne suis même pas digne de lever ma tête devant toi. L'homme sincère, comme qui était Jésus. Amen. Passe au milieu. Et la vie, effectivement. Observe chacun, regarde chacun. C'est comme ce soir, il peut passer au milieu de nous. Pour observer, effectivement. Mais c'est vrai, frère et soeur. Ce que je vous dis est vraiment vrai. Amen. C'est la vérité.
Il peut passer effectivement, il dit, mais regarde, sonde les reins, regarde un peu effectivement, qui est sincère là, parce que nous soupirons après Dieu. Nous ne savons pas à quel moment ça peut arriver. Amen. Personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Vous reposez toujours, peut-être que vos frères ont encore du temps. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas de temps. Amen. Le lendemain, je ne le connais pas. C'est Dieu qui le connaît. Amen. Comment il sera, c'est Dieu qui le connaît. C'est vrai, non? Amen. Alors passe. Regarde au milieu, effectivement, de ceux-là qui gémissent vraiment, qui sont sincères, qui parce que vraiment c'est vrai, Dieu l'a dit. Parce que vous savez, quand il fait quelque chose sans conviction, c'est un péché. Amen. Amen. Oui? C'est-à-dire qu'il faut que tu sois d'abord convaincu que c'est juste. Dieu aime ça. Amen. Seigneur, ce que tu as dit est vraiment juste. Alors là, je sais, ça c'est vraiment vrai, 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 vrai. Dieu dit, voici l'homme ou la femme qui est convaincu. Ça, c'est un instrument. Mais celui qui n'est pas convaincu, il va faire un pas plus tard. Enfin, oui, oui, c'est vrai, on ne peut pas faire plus on l'aura pas qui change de plus. Parce qu'il ne sait pas. Il a dit, mais passe au milieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, alors les vies. Il dit, oui, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ce sont ceux-là qui, de tout leur cœur, ils sont sincères, disent, Seigneur, vraiment, pas parce que je suis malade, mon corps, ou bien parce que, bon, j'ai perdu mon travail, maintenant, Seigneur, il faut que tu viennes me chercher. Non, c'est pas ça. Non, 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 non. Quand ils voient la condition de ces mondes, combien les gens abandonnent Dieu, combien les gens ne se donnent plus à Dieu, effectivement. C'est-à-dire que les gens, comment ils vivent contrairement à la parole de Dieu, ça déchire le cœur. Quand vous voyez comment on pousse les gens à pouvoir vivre, effectivement, une vie tout à fait immonde. Hein? Homme avec homme, femme avec femme, tout ça. Vous ne pouvez pas dire, bon, écoutez, comme on peut viser l'impoliment. C'est-à-dire qu'on a encore demandé, on peut comprendre, on peut, comme on dit, oh, Dieu accepte tout le monde. Non. Le cœur doit arriver à pouvoir et sentir meurtri quelque part. Parce que c'est... Maintenant, on appelle mal, bien, on appelle bien mal. C'est comme ça, non? C'est sûr. On a traversé le rythme des choses. Nous, on ne peut pas... Un fils de Dieu ne peut pas s'habituer à tout ça. Ouais. Ne peut pas commencer à trouver normal. Non, ce n'est pas possible. Si tu trouves des choses comme ça normales, tu as le même esprit que les autres. Alors il met passe au milieu et puis marque venir sur le front de ceux qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et lui, écoutez bien, et s'adressant aux autres, il dit, en représentant, il dit, passez après lui dans la ville, pas avant lui. Non, pas en lui. Parce que Dieu est toujours un Dieu qui est bon. Pour que personne ne dise pas, on sait, non, il faut que Dieu est toujours juste. Il dit, j'ai laissé l'occasion, il dit maintenant, allez passer. Il n'a pas dit, mais celui-là, c'est dit, non, 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 allez dans la ville, dans la ville. Quand vous allez observer, effectivement, vous savez parce qu'ils ont l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr. Voyez la personne qui est sincère. Parce que quand le. La parole de Dieu nous est apportée, mon frère et ma soeur, c'est pour que nous soyons changés quand même. Amen. Que le cœur de pierre que nous avons devienne un cœur de chair. Amen. Et que nous apprenons à ne pas être comme les hommes de ce monde. Amen. Nous apprenons à être comme des fils et des filles de Dieu, Amen. Vivant selon la parole de Dieu. Amen. Et mettant la parole de Dieu en pratique chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas pour être pire, mais pour devenir meilleur. Amen. Donc, ma soeur, mon frère, ça veut dire que quand tu écoutes, tu ne dis pas, oh, gloire à Dieu, je vais aller au ciel. Quand tu sors d'ici, tu vas là-bas dans la salle à côté. Comment tu réagis? À l'endroit de ton frère, de ta soeur, vous venez entendre la parole de Dieu. Ça fait deux semaines, vous venez d'arriver là-bas, tu n'as jamais plus dit bonjour à ton frère qui est à côté. Il est assis à côté de toi, tu regardes là-bas, tu fais donc tu n'as pas vu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, tu regardes frère Marcel, gloire à Dieu. Mes frères Simon, viens ici.
Tu fais tout pour que. Frère, ma soeur, frère, ma soeur. Frère, si vous dites là, on veut sortir de l'assemblée. Hein? C'est pas vrai? Donc, quand tu vas vers frère Marcel, tu fais en sorte que tu t'approches plus qu'en fait que frère Simon ne s'approche pas de toi. Pourquoi? Il y a un petit souci entre toi et Simon. Mais ici, on a bien chanté. On a glorifié Dieu. Puis on arrive là-bas en bas. C'est un problème. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, chacun de nous doit arriver à pouvoir réellement se positionner selon la parole qu'il a reçue, celle que Dieu dit en rapport avec un fils de Dieu. Enfin, qu'ils réagissent effectivement, parce que la parole que nous recevons. Rapidement, regardez. J'aime beaucoup souvent cette parole. Matthieu chapitre 12. Le Seigneur l'a dit. Hein. Ils reçoivent aussi, vous la connaissez, ils reçoivent aussi avec joie, n'est-ce pas? Avec beaucoup de joie. Lisez Matthieu 12. Avec joie. Et quand survient une tribulation à cause de la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils en trouvent une occasion de chute. N'est-ce pas vrai? Bien sûr. On la reçoit avec joie, et après, comment? Ah non, bon, bref. Alors il dit, donc passez, donc après lui, dans la ville, après que vous auriez vraiment marqué sur le front, parce que quand on marque sur le front, on fait une séparation, mon frère. Ceux qui sont marqués sur le front, ils sont des personnes qui sont différentes, triées et mises à part par rapport aux autres. Et d'ailleurs, effectivement, que le sort, la main qui est mise sur le front, effectivement, a témoigné que des fois, ils étaient différents des autres. Enfin. Parce que, regardez très bien, il dit, mais parce qu'on les a vus, effectivement, gémir comme cela. Ce que déjà leur font, leur intérieur, n'était pas comme les autres. Frère, Dieu ne va pas, aujourd'hui, littéralement, s'il te met quand même le marche de front. Non, il doit voir ce que toi, tu es. Amen. Ce qu'il est dit, non? Observe d'abord. Mais c'est bien sûr et certain. Observe d'abord parce que ça doit confirmer ce qui est à l'intérieur de toi. Que cette marque qu'on a mis ici, cet homme, cette femme, pour lui, Dieu est tellement si important que tout ce qui est contraire à Dieu n'a pas vraiment de place pour lui. Alors, on met le front. Enfin, on met la marque sur le front. On sépare effectivement de cela. Mais vous, Dieu est vraiment un Dieu qui demeure le même Dieu pour sa propre parole. Je vais vous montrer quelque chose. Dans les Saintes Écritures, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 7. Regardez. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Chapitre 7 d'Apocalypse. Il dit, nous avons vu avec vous là, au chapitre 8, d'Ézéchiel, les six hommes qui étaient sortis, effectivement, et puis les deux qui étaient vêtus de lin avec l'écritoire, n'est-ce pas vrai? Et que avant que les hommes puissent passer pour détruire, voilà qu'on envoie d'abord lui, Dieu le fait sortir d'abord, il dit, mais toi, passe d'abord, et marque sur le front de ceux qui j'ai. Et si, au chapitre 7 d'Apocalypse, nous lisons, verset 1, après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Il retenait les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Vous suivez? Amen. Non, regardez très bien, dit. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Vous voyez le tableau? Par rapport à ce que nous avons vu dans le livre d'Ézéchiel, n'est-ce pas? Et il y avait des hommes qui étaient venus effectivement, et là on nous montre effectivement qu'il y a ici, là, c'était effectivement, on a fait référence à leur site effectivement, regardez là-bas aussi, c'est le tableau que je vais vous voir effectivement, et là, parmi les ceux qui étaient là, dans chapitre 9, il y en a un qu'on a fait sortir. Vous vous souvenez, non? Amen. Qu'on a envoyé avant, est-ce que vous vous souvenez? Amen. Ok, qu'on a envoyé avant, qu'est-ce qu'il avait effectivement? Il avait l'écriture à la ceinture, Amen. Pour marquer sur le front, n'est-ce pas vrai? Amen. Alors ici, chapitre 7 d'Apocalypse, nous lisons ici, qui après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc la destruction, n'est-ce pas? Il dit, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal
à la terre et à la mer, et il dit, vous voyez, c'est merveilleux Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc, cet ange-là était différent des autres. Amen, amen. Comme celui qui avait l'écriture aussi différent aussi des autres. Oui. Donc, celui-là avait quelque chose. C'est la miséricorde de Dieu, mon frère. Amen. Et voilà que maintenant, ici, nous continuons la lecture. Il dit, verset 3, il dit, ne faites point de mal à la terre, amen, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Donc, ceux qui étaient dans Ézéchiel, c'était donc des serviteurs de Dieu. Amen. Des hommes et des femmes, effectivement, qui servaient Dieu. Et comme ils servaient Dieu, tous ceux qui étaient contraires à ce que leur Dieu avait dit, étaient une douleur, effectivement, quand ils le voyaient, cela se faire. C'est pourquoi ils soupiraient et gémissaient. Regardez, frère, ça. Oh oui, ils gémissaient, ils soupiraient. Ils pouvaient, c'était, parce que c'était un nœud comme ça. Maintenant, nous retenons au chapitre 7, il est très bien pour que vous puissiez voir, non, vous comprenez effectivement l'homme à l'écritoire. Regardez bien, il dit, je relis encore le verset 3, il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Verset 4, il dit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. Amen. Amen. Regardez une chose que je voudrais que vous puissiez voir ici, frères et sœurs. Ce que notre Seigneur et notre Dieu montrent l'importance, effectivement, du sceau. Le sceau qui symbolise, comme vous le savez, le baptême du Saint-Esprit. En fait, c'est ce sceau-là qui fait que réellement, toi, mon frère, toi, ma soeur, Dieu t'a vraiment mis à part. Parce que lorsque le sceau a été posé, cela veut dire qu'effectivement, que cette personne, Dieu a vu, effectivement, que son cœur et son âme, effectivement, sa façon d'être, effectivement, est conforme et qu'il se donne davantage à ce que Dieu veut. Et puis il vient maintenant pour confirmer et donner encore davantage de plus. Il dit, mais même quand on le regarde, il dit, mais il reflète quelque chose qui a un rapport avec la parole de Dieu. Parce qu'il a quelque chose de Dieu en soi. Donc, si vous vous souvenez encore de Matthieu chapitre 25, vous vous souvenez encore des cinq vierges folles et cinq vierges sages. Frère, quel rapport il y a? On nous fait savoir qu'il y a une différence, effectivement, avec toutes ces... Il était toutes vierges, effectivement, mais il y avait cinq sages et cinq fois. Vous savez, effectivement, parce qu'on va parler beaucoup ici. La différence entre les sages et les folles résidait dans le fait que, quand elles ont pris les lampes, les sages ont pris de l'huile avec elles. N'est-ce pas vrai? Vous avez remarqué une chose, mes frères et sœurs. Ils étaient tous sortis pour aller à la rencontre de l'époux. N'est-ce pas vrai? Mais il y a eu un temps où ils s'assoupirent effectivement et les cris retentirent. On peut dire. Ils se levèrent maintenant pour parler aux lampes effectivement, mais les vierges folles n'avaient plus de l'huile de leur lampe. Les vierges sages qui avaient de l'huile, quand les vierges folles sont allées pour aller chercher pour en acheter, c'était déjà trop tard. C'est pas vrai? Non, vous connaissez, non? Qu'est-ce qui s'est passé? L'époux arriva. Et celle qui était prête, vous vous souvenez? Oui. Regardez, parce que vous me regardez, regardez bien. Matthieu 25, je te dis cela rapidement pour que vous puissiez voir cela. Regardez comment l'écriture est si claire. Il dit ici, Matthieu 25, verset 9, il dit, le sage répondit, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez dans pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, verset 10, le pouls arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et qu'est-ce qui s'est fait prêtre? Et la porte donc fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais point. Alléluia. Amen. Donc, regardez très bien, donc, la porte était fermée.
Vous avez remarqué qu'effectivement, que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, il est bien parlé, effectivement, de ceux qui étaient des serviteurs de Dieu, sur le front duquel on a marqué, effectivement, le sceau, effectivement, comme vous l'avez entendu, et on a le nombre de 144 000, que vous connaissez très bien ce qu'il a dit. Regardez une chose. Regardez une chose. Vous avez entendu, effectivement, que l'écrit était que ne faites point de mal. Religion encore avec vous. Apocalypse chapitre 7. Verset 3 dit. D'abord verset 4, verset 2 dit. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant et cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Vous avez entendu cela? Regardez une chose. Je parlais des médecins, des vierges sages, effectivement, et des vierges folles, effectivement, pour moi, j'avais entendu, bien, bien. Et là, on parle effectivement de 144 000 en rapport avec les tribus d'Israël, comme l'Écriture le fait savoir. Dans le livre de Daniel, au chapitre 9, si vous lisez très bien l'Écriture, l'ange est venu vers Daniel pour lui faire part effectivement de l'espace-temps qui était réellement accordé à son peuple, au peuple d'Israël. Il était donc, il va parler effectivement de 70 semaines. Vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Il était parlé de 70 semaines de Daniel. Alors, si vous remarquez très bien, parce que j'en ai déjà parlé aussi, même écrit aussi un petit livre là-dessus, la manière dont les saintes écritures placent les choses, on ne peut pas arriver à pouvoir fabriquer quelque chose autrement que ce que le plan que Dieu a établi et qui s'imbrique tellement si bien. Je vais vous montrer. Daniel chapitre 9. Il dit, verset 27. Sachez donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'au Messie, au conducteur, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Vous avez lu avec moi, non? Vous avez lu avec moi? Amen. Okay. Donc, si on prend 62 plus le 7 dont on a fait parler, effectivement, ça fait combien? 62 plus 7, ça fait 69. C'est pas vrai? Amen. C'est clair, non? Amen. Et on a bien dit qu'après le 62 semaines, le Messie sera rétranché et il n'aura pas de successeur. Et c'est après qu'on nous dit que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrivé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 7. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et vous entendez cela? Donc le Messie a déjà été retranché en fait. Après les 62 semaines. Donc il reste donc effectivement une semaine parce que 62 plus 7, ça fait donc 69. Une semaine effectivement plus de 69, ça fait 70 semaines. Vous avez compris? Amen. Alors, remarquez. Verset 27, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il doit faire une alliance. Et ça, c'est en rapport avec Israël. N'est-ce pas vrai? Or, quand on parle effectivement d'alliance, en fait, c'est... Vous savez, quand les gens veulent se mettre en alliance, c'est le rétablissement, en fait, de la communion, de contact, effectivement, des rapports, effectivement, avec les uns comme les autres. Vous vous souvenez? Donc, et que nous savons une chose, que
jusqu'à ce jour. Le temps pour Israël est arrêté. Depuis le temps qu'ils ont rejeté le Messie, vous savez, non ? Vous avez été instruit dans le temps que Dieu a tourné les regards vers les nations. Vous vous souvenez encore ? Nous l'avons lu avec vous. Après cela, n'est-ce pas ? Nous l'avons lu avec vous, l'Islam. Que Dieu a jeté des regards parmi les nations pour se choisir du milieu d'elle un peuple qui porte à son nom, avec là s'accordent les paroles des prophètes, qui dit qu'après cela, je relèverai l'attente de David de sa chute. Vous connaissez, non ? Amen. Ça veut dire quoi ? C'est le rétablissement, non ? Amen. Donc après qu'il est terminé ici, donc Dieu va se retourner vers Israël. C'est à ce moment-là maintenant que Dieu maintenant travaillera avec Israël. D'où maintenant l'attention va maintenant se retourner parce qu'il est parlé effectivement de l'alliance. Donc c'est à ce moment-là effectivement que la période pour Israël commence maintenant, donc la dernière semaine. Quand Dieu se tourne vers Israël. À quel moment est-ce que Dieu va se tourner vers Israël? Quand il aura terminé avec les nations. Bon, pourquoi en fait Dieu est encore là ici? Parce qu'il a un peuple. Amen. Et ce peuple, effectivement, c'est vous et moi. Amen. Donc, et si Dieu est là pour son peuple, effectivement, eh bien, comme ça va, effectivement, donc, il savait, le bruit de guerre peut y avoir, mais pour pas y avoir des bombes atomiques pour détruire tout, c'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit est là pour garder. Amen. Amen. Mais c'est quand tu auras terminé avec vous et moi. Oui. Et que maintenant, nous partons à la maison, oui. Que Dieu a terminé, il n'y a plus rien à voir avec lui parmi les nations. Parce que ce qu'il avait pour intérêt parmi les nations, il a terminé. Son intérêt était vous et moi. Puisque le dernier est entré, il est terminé. C'est pour ça, vous voyez bien, le travail du Saint-Esprit nous a appelé. Juste à ce que la totalité de païens soit entrée. Donc, que le Saint-Esprit puisse avoir rempli la personne, effectivement, qui devait un fils et qui rentre, effectivement, dans le corps. À les derniers étant entrés, eh bien, qu'est-ce qu'il va encore faire? Il n'y a plus rien à faire. Amen. Il prend son épouse à la maison. Amen. Et à ce moment-là, après, maintenant, il se retourne vers Israël. D'où, maintenant, la période d'Israël commence. Regardez une chose. Vous avez remarqué qu'il a dit que, jusqu'à ce que nous ayons marqué, effectivement, du sceau de Dieu, des serviteurs de Dieu. N'est-ce pas vrai? Or, si que vous savez jusqu'à ce jour qu'en Israël, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prédication. Ils vivent effectivement comme tout le monde. Oui. Vous avez en Israël, vous avez aussi des homosexuels, des lesbiennes. Oui, monsieur. Oui, monsieur, mais ils font les gay parties là-bas. Vous avez été informé, non? Ils font n'importe quoi là-bas aussi, t'as dit, moi, c'est vrai? C'est pas parmi les gay parties là-bas que Dieu va commencer à mettre les sceaux quand même. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne travaille pas dans le désordre. Quand on met un sceau, c'est qu'il y a la parole dedans. Amen. Donc, c'est vrai que lorsque le pousse pas, le temps d'Israël vient. C'est là l'importance de deux témoins. Amen. Donc, ces deux témoins vont être envoyés en Israël. Quand vous et moi nous sommes partis, quand le temps commence, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prêcher pendant 3 ans et demi. C'est écrit, non? Amen. On a voulu ici avec vous. Amen. 1260 jours, vous connaissez, non? Amen. On divise, vous connaissez quand même. Amen. Donc, quand ils vont commencer, pourquoi vont-ils commencer à prêcher? Dieu ne peut pas appeler au jugement sans avoir averti d'abord. Donc, ces gens-là qui ne connaissaient même pas leur ABC, vous et moi, c'était comme ça, non? On vivait comme des cochons. Amen. Bref, il a fallu que Dieu envoie la parole pour pouvoir nous instruire, effectivement, qu'on entend, donc, on retenait les jugements. Jusqu'à ce que toi, ma soeur, toi, mon frère, tu entends effectivement, tu crois que tu sois scellé, tu es content. Amen. Et parce que si les petits jugements étaient venus pendant ces temps-là, on ne savait pas tout se passer là-dedans. Amen. Parce qu'on vivait comme des mondes. Mais il fallait que la parole de Dieu vienne d'abord. Amen. Et quand elle vient effectivement, tu la reçois, on t'observe comment tu réagis. Parce qu'un fils de Dieu qui était perdu, quand il entend la parole, il dit, mais c'est vrai, mon Dieu d'amour. Amen. La chose, elle est vraie. Amen. On ne t'a pas obligé de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est que dans ton âme, tu avais ça. Amen. Mais c'est vrai, pourquoi ne pas accepter? Il dit, mais c'est la... L'autre te dit, mais c'est la même chose. Père, il dit, non. Parce que là, ça sonnait que c'est vrai que j'ai été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais quand j'ai entendu ça, mon âme a fait boum.
J'ai dit, c'est vrai. C'est toi que Dieu cherche. Amen. Et eux aussi, mon frère et ma soeur, ils doivent avoir quoi? La même parole originelle. Pas une parole avec tout ce qu'il y a là-bas, les Talmuds, etc. Non, monsieur. Mais la parole de Dieu vient au prophète. Donc ces prophètes vont avoir le même évangile que vous entendez aujourd'hui. Ils vont aussi l'avoir là-bas. Ils vont reconnaître que Jésus est Dieu. Jésus, monsieur. Parce que c'est le même évangile, mon frère. La Bible nous montre effectivement qu'il y avait un ange qui prenait pour le droit l'évangile éternel. Donc, ils vont avoir cette période, effectivement, de pouvoir prêcher, effectivement, la même parole que nous avons. Qui a fait que vous avez reconnu que vous étiez l'épouse de Christ? Qui a fait que vous avez reconnu que vous n'appartenez pas à toutes ces dominations, à tous ces tralala, et c'est que c'était précieux aux yeux de Dieu, que la parole de Dieu devient pour vous l'absolu. Donc, ce qui vient de la bouche de Dieu, pas ce qui vient des prêtres, sinon, ce qui vient de la bouche de Dieu devient votre agent. Vous n'êtes là pas pour écouter l'ordre, mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est pas l'ordre, mais c'est toi. Amen. Donc, ton cœur soupire après Dieu. Amen. Tu veux entendre Dieu. C'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas tendre nos oreilles à n'importe qui. Non. Ça ne sert à rien de perdre son temps. Oui, certainement, c'est vrai. Quand c'était à l'époque, effectivement, on pouvait faire. Mais maintenant, on arrive à un temps où on a besoin d'entendre ce que l'Esprit dit pour que mon âme grandisse, qu'il soit sûr, pas une parole qui m'amène dans le trouble, dans des questions que je ne sais même pas tellement traiter. Non, mais une parole qui m'apporte la paix, l'assurance. Amen. Où je suis sûr et certain que ça, c'est vraiment des choses. C'est ça ce que Dieu veut. Donc, ils auront aussi cette grâce. Voir entendre effectivement ces paroles. Et pendant qu'ils vont entendre, puisque ils ont fait alliance comme ils étaient faits dans les ténèbres, effectivement, avec les mélanges de Talmud, évidemment, ainsi de suite, ils ont cru à tous ceux qui venaient comme étant les parce que vous savez quoi? Pour les Juifs, le vrai croyant, en fait, dans le monde, parmi les nations, ce ne sont pas les pentecôtistes, les baptistes. Non, c'est les catholiques. Et les papes, les représentants des chrétiens pour eux, en fait. Donc vous n'êtes que des sectes, effectivement, mais. Pour eux, ils voient que ce n'est pas. Mais ils vont faire alliance, effectivement. Ils vont reconnaître effectivement parce qu'il faut qu'on arrive, effectivement, parce qu'ils ne pourraient ni acheter ni avoir traité. Ça reste là-bas, effectivement, ce qu'il y a la consigne. Et bon, effectivement, enfin, les églises, les félicités. On y arrivera un jour, Dieu. Mais, alors là, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, la toile, vous le voyez, non? Partout où il passe, il est respecté. Aux États-Unis, quand il est arrivé là-bas, c'est un chef de l'État. Le congrès, tout. D'ailleurs, tous les présidents en grande majorité du monde, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont l'embrasser sa main quand ils l'ont voté, non? Ils vont là-bas, ils embrassent la barre, effectivement. Ils reconnaissent son autorité. Israël doit arriver à pouvoir avoir une titulature pour être en communion avec les nations. Ils vont établir effectivement cela. Et tous vont dire que c'est vrai, c'est bon, et il est un bon monsieur, il est ceci, cela, il cherche la paix à tous les sacrifices. Avec les mahométans, avec les bouddhistes, avec les. Oui, avec les gens ici, les animistes, oui. Mais c'est vrai. Mais vous pensez que j'ai encore des anneries. Mais quand il est arrivé à aussi pour faire son discours à l'ONU, je ne suis pas ici pour raconter des histoires, frère. Je fais ce que je dis. Amen. Donc ne pensez pas que les frères, ils verront, ils nous racontent. Non, frère et soeur. Parce que beaucoup écoutent ce que moi je prêche ici. Quand il est venu à l'ONU, effectivement, regardez comment quel est le patriarche qu'il a rassemblé là-bas. Les bouddhistes, les mennonites, les ceci, les cela. Eh bien, on fait tout ça. Il embrasse tout le monde. C'est normal. Il fait tout pour que, avec tout, on embrasse les mennonites, les mormons, les tout. Et on fait tout, même avec les amis qui font me calmer de la paix. Mais c'est la vérité. Amen. Bien sûr, c'est la vérité. Dans cette place, je vois quand même. Oui. Ils étaient là. Ils disent, tous, venez, nous sommes un, on va prier. On va prier le Dieu. Et puis, l'Indien qui vient. Donc, tout le monde, ils avalent n'importe quoi. L'animiste vient aussi. Ce que je vous dis est vrai. Amen. Les bouddhistes viennent. Oh, eh bien, oui. Tout ça, ça passe au nom de Dieu. Et ça, ça va passer aussi en Israël. Donc, comme ils vont ramasser sa saleté aussi, quand les deux prophètes vont venir,
démontrant, parce que Dieu confirme toujours sa parole. Il ne confirme pas l'interprétation, non, messieurs. Parce que, comme la Bible dit, effectivement, les cieux, l'air va fermer les cieux pendant 3 ans et demi. Une fois, fermer les cieux, l'autre, effectivement, vous connaissez. Donc, les cieux qu'on donne, effectivement, c'est comme Élie et Moïse. Amen. Vous connaissez cela, non? Amen. Donc, c'était les hommes, effectivement, auxquels Dieu confirmait la parole. Quand il disait, sinon ma parole, Dieu confirmait. Donc, ils vont voir, ils vont entendre, et puis voir, effectivement, la confirmation, mais Israël voit au prophète. Voyant cela, ils croient au prophète. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont cru à la parole. C'est à ce moment-là que, maintenant, la parole commence à faire son travail. Mon frère et ma soeur, c'est pas vrai que ces deux témoins vont prêcher pendant 3 ans et demi. Vous vous souvenez, non? Si nous lisons dans Daniel, qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 27, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. N'est-ce pas vrai? Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Qu'est-ce qui va se passer? Arrête. C'est pendant ce temps qu'il prêche effectivement l'évangile là-bas. Effectivement que ces hommes-là entendent, reconnaissent et qu'ils voient que c'est la parole de Dieu. Quand ils ont reçu, toi mon frère et toi ma soeur, quand tu as reçu la parole du Seigneur, la véritable parole de ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Tes yeux se sont ouverts. Tu as reconnu que ça, la grenadine que je buvais, c'était faux. N'est-ce pas vrai? Que les pains qu'on achetait au magasin là-bas pour que nous mangeons comme ça, c'était faux. Vous comprenez? Tu vas dire, hé. Même dans l'église où tu te trouves, on te dit, on t'amène la grenadine pour boire. Tu vas dire, mais non, en tout cas, monsieur, si tu es un frère en Christ, je dis, je ne peux pas. C'est pas conforme. C'est pas conforme à toi. Depuis que nous avons dit, on fait la grenadine, c'est pas conforme à toi. C'est pas conforme aux saintes écritures. Avant, tu buvais. Avant, tu mangeais le même pain qu'eux. Mais maintenant, les yeux sont ouverts. Et non, c'est plus conforme aux saintes écritures, monsieur. Et c'est comme cela qu'ils vont se révéler que ça, c'est un antichrist. Amen. Oui, à cause de la vérité. C'est à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que la parole est prêchée pendant 3 ans et demi, là, Dieu scelle, c'est ça. Amen. Vous comprenez? Quand le scellement a eu lieu, donc les 144 000 sont scellés pendant la prédication de 2 témoins. Parce que la parole, elle est faite en eux, effectivement. Et quand ils sont scellés, terminés, effectivement, ah, ils ont reconnu. L'ennemi voit qu'il a été donc dévoilé, la colère descend pendant 3 ans et demi. Qu'est-ce qui se passe? La tribulation. Non seulement là-bas, mais aussi parmi les nations. Bien sûr que oui. Pourquoi, effectivement, nous entendons cela? C'est pour que nous comprenions, mon frère et ma soeur, que toi, mon frère, toi, ma soeur, c'est ta réaction par rapport à la parole de Dieu que tu entends, que tu reçois, qui détermine effectivement aussi l'action de Dieu dans ta propre vie. Il y en a parmi vous qui dites, frère, Seigneur, nous voulons avoir le baptême du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi est-ce que vous devez avoir le baptême du Saint-Esprit? La seule chose que vous savez pourquoi, c'est parce que vous voulez partir dans l'enlèvement. C'est ça, non? Oui. Donc tu pries Dieu pour avoir le baptême du Saint-Esprit, pour partir dans les voies. Mais ici, Dieu te fait comprendre que moi, je mets le son. Le baptême du Saint-Esprit, sur ceux qui soupirent. C'est là qu'ils gémissent, qu'ils rejettent le mal, qu'ils ne le veulent pas. Et qu'ils ont des vêtements que ici, ce n'est pas chez moi. Mais toi, tu fais le contraire. Donne-moi le baptême, même si je vis n'importe comment, je vais partir dans les voies. Non, monsieur. Non, monsieur, c'est vrai. Tous sont comme ça. Je veux les baptêmes. Pourquoi? Je vais partir avec le Seigneur. Mais Dieu ne va pas donner le baptême du Saint-Esprit comme ça pour partir. Non, monsieur. Non, madame. Tu as ces conditions, frère. Il faut qu'il voit effectivement que tu désires la chose parce que ta vie à toi désire être comme Dieu le veut. Amen.
Amen. Seigneur, je veux parce que je veux avoir la capacité de faire toujours le bien. Amen. Parce que j'ai fait des efforts, je vois que moi j'ai faibli, mais je veux que tu m'aides à ce que je continue à persévérer. C'est ça le baptême du Saint-Esprit, mon frère. Seigneur, je n'arrive plus à prier beaucoup comme à l'époque. Je veux que les Saint-Esprit soient là pour m'aider, Seigneur. Quand je me réveille, il me secoue. Bon, c'est pas aller au ciel, c'est vrai. Mais l'important aussi, pourquoi Dieu veut te les donner? Pourquoi tu veux ça? Par qui mais, aie pitié de moi. Eh bien, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Pitié, je vais avoir pitié de toi, tout le monde va venir. Mais pourquoi je veux pitié? Pourquoi tu veux que j'ai pitié de toi? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, Bartimée? Il avait bien vu Bartimée. Hein? Pourquoi tu veux le baptême? Oh, pour aller dans la... Parce que sans ça, ça vous connaissez. Sans ça, je ne peux pas dans l'enlèvement. Sans ça, je ne sais pas. Non, donne le baptême. Donne le baptême. Mon frère, ma soeur, le baptême vient quand tu es mort déjà. Amen. Parce que vous ne l'avez pas remarqué. C'est d'abord la justification et la sanctification. C'est pas qu'il vient avant même qu'il y ait justification, c'est celui qui le donne. Non, monsieur. C'est pas la manière de Dieu, monsieur. Votre attention ici, s'il vous plaît. C'est pas la manière de Dieu, frère. Qui soupire, qui gémisse. Ah! Les vierges, ça. Les vierges folles. Olé, olé. On a la lumière. On a la lumière. C'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, ce qu'ils ont oublié, c'était que la lumière reste toujours allumée jusqu'à la fin. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais cette lumière, en fait, on doit comprendre que c'est nous que Dieu veut que nous soyons des lumières. De notre vie, effectivement. Amen. Les ailes, la lumière qui montre jusqu'à la fin. Donc, ça doit continuer. Les heures doivent continuer. Amen. Pas au début. Parce que comment le début, effectivement, moi, c'est quand? Oh, nous sommes des messages, nous avons des messages. Tout le monde est bouillant. Mais quelques temps après, la messe est tuée. Alléluia. La messe est tuée. Parce que. J'allais entendu, moi, dans ma vie, dans les services de Dieu, parmi les services de prédicateurs, évidemment. Oh, de toutes les façons, comme tu as cru le message, ça veut dire que tu as le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est faux. Les pentecôtistes, ils lisent les messages. Les prédicateurs de l'international, ils les lisent, évidemment, vous savez. Mais ils sont toujours dans les dénominations. Ce que je vous dis est vrai. Ouais. C'est vrai. Pas à toi. C'est pas la voisine, c'est pas les voisins que je cherche. C'est toi. Amen. Que Dieu cherche. Amen. Seigneur, je suis là, mais je vois que la vie de mon frère ici, c'est vrai, ça change quand je me regarde. Parce que, vous savez, frère et soeur, il n'y a que celui qui est vrai. Continue dans le faux, il se reconnaît qu'il était dans le faux. Amen. Mais quand le faux est dans le faux, il ne peut pas se reconnaître qu'il est faux. Amen. Il doit se justifier, se gesticuler, tout ça. Il est faux, mais il se voit, pas qu'il est faux, parce qu'il est faux. Mais quand le vrai est dans le faux, parce que sa nature n'est pas être faux, sa nature est d'être vrai. Amen. Donc maintenant, quand la chose veut lui monter, il ne discute pas, mon frère. Il le connaît, il dit, mais aïe, 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 aïe. C'est vrai, j'ai m'engagé dans une mauvaise direction. Gamé, Seigneur. Quelle grâce que tu m'as accordée. Amen. Mais le faux, il va discuter, il dit, non, d'ailleurs. Puis, et vous savez, c'est comme, ils sont comme cela. Vous êtes là avec eux, ils viennent. Vous leur parlez. Tu as un problème. Tu dis, bon, voilà. Paf. Il te regarde, il dit, ok. Il sort, il dit, bon. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je vais consulter notre pasteur. Parce que je pense que lui, il va vraiment me dire la chose qu'il faut. Et c'est normal. C'est normal, frère et soeur. Vous savez, c'est toujours la disposition droite du cœur que vous avez. Alors Dieu vous répond. Amen. Quand toi, tu te dis, mais je vais donc demander à l'autre parce que je pense que ce qu'il veut me dire, ça ne me colle pas parce que peut-être qu'il a une pensée à mon endroit ou une pensée contre moi, c'est pas le problème. Quand tu vas appeler l'autre, vous savez ce que la Bible dit donc? Et
détourneront l'oreille de la vérité. Se tourneront vers les femmes. Ils vont se donner une foule de docteurs. Écoutez très bien, s'il vous plaît, frère. Quand vous allez l'appeler, effectivement, vous savez ce qu'il va faire. Parce qu'il est fait que vous l'appelez. Quand vous allez lui expliquer votre problème. Que d'abord, je venais pour voir. Mais lui, il m'a dit, mais je ne sais pas. Alors lui, il va sentir maintenant. Ah, on me donne l'honneur. Le pauvre. Les mauvais esprits entrent. Quand tu vas lui expliquer, il va dire que tu as raison. Parce que tu cherchais la chose. On va te donner quelqu'un qui va t'appuyer dans la chose. 100% vrai, mon frère. Amen. La parole de Dieu ne se trompe jamais. Amen. Vous avez fait l'expérience, frère. Oui, bien sûr. Frère, un fils de Dieu, il se tiendra, même si ça fait mal. Il se tient dit, mais c'est qu'on m'a dit. Je crois que ça vient de Dieu. Amen. Faites ça. Parce que Dieu qui vous aime, mon frère et ma soeur, il va vous conduire à ce que vous puissiez dans une position en tant qu'enfant de Dieu. Vous recevez sincèrement ce que Dieu veut de vous. Et si ce que Dieu veut de vous est contraire à ce que vous voulez, c'est vrai, c'est comme ce prédicateur, quand on leur dit, écoutez, mais je connais, évidemment, que c'était que les femmes ne peuvent pas, il disait les brochures, frère. Les femmes ne peuvent pas porter, effectivement, les vêtements d'homme. Il a lu cela, je connais, il est ici, ce prédicateur, c'est le pasteur en question. Alors, il a vu cela, effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé dans son église. Il a dit, voilà, bon, il a fait passer, je ne sais pas comment il a fait passer, mais voilà. Et d'après ce qu'on voit dans les Saintes Écritures, les femmes ne peuvent pas porter de vêtements d'homme. Vous savez ce qui s'est passé? Dans son église, comme on fait les femmes ou l'homme, je sais pas comment ils appellent ça, un truc comme ça, dans cette chose. Les femmes se sont levées. Ils sont allés le voir. Ils ont dit, mais. Parce que nous avons bien entendu ce que toi, tu nous as dit ici. Que les femmes ne peuvent pas porter des pantalons, parce que les pantalons, ce sont des vêtements d'hommes. Alors ils ont commencé à pouvoir lui expliquer, laver effectivement. Vous savez ce qui s'est passé avec les pasteurs? Vous savez ce qui s'est passé avec les pasteurs? Le pasteur, les dimanches, il jouit. Il passe au niveau de la chaîne. Il dit Alléluia. Dieu est bon, il est miséricordieux. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, Dieu regarde seulement au cœur. C'est-à-dire que quand même vous êtes à l'extérieur avec un plein pantalon, c'est pas vraiment ça que Dieu a voulu. Et puis c'est l'Ancien Testament, son Église. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui est triste, c'est que c'est lui-même. En fait, il n'était pas convaincu d'abord. Lui-même, il a changé de casaque. Pourquoi? Parce que les gens ont fait pression sur lui. Donc, c'est pour que vous puissiez comprendre que quelqu'un, quand vous avez une façon de pouvoir aller présenter la chose à la personne, mais vous pouvez changer sa façon de faire. Et la personne, vous savez, frère, servir Dieu, il faut être. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit, mais on est né avec. Amen. Et quand on est né avec, alléluia, et que Dieu s'est manifesté à votre endroit, vous êtes inchangeable. Amen. 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 Si vous n'avez pas une expérience, écoutez-moi s'il vous plaît, si vous n'avez pas une expérience avec Dieu, on va travailler avec vous comme ça. La foule, les églises, le peuple dans les églises sont une pression. Et ça, c'est tout aussi des prédicateurs qui cherchent la gloire. Évidemment, ils sont là, effectivement, guettant tout autour, effectivement. Et puis, les armes, ils savent aussi voir, effectivement. Quand ils voient, effectivement, qu'il y en a un qui flanche vers eux, c'est facile. Un peu, quand la parole sort, condamne la personne, oh, mais je vais un peu téléphoner à tel pour savoir quoi. Mais Dieu t'a parlé. Et quand tu l'appelles, certainement, il va te dire que non, toi, tu es bien dans cette voie. Continue, vas-y. En fait, il t'envoie dans la destruction. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, effectivement, doit avoir le sentiment de la parole de Dieu. Amen. Quand il entend la parole, il n'écoute pas pour le voisin, ou pour... non, il écoute pour lui. Amen. Même si ça lui coûte sa vie. Amen.
C'est ce que Dieu a dit qui tient. C'est cela que Dieu cherche en vous. C'est pas pour rien, frère, j'ai terminé. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul disait à Timothée, « Timothée, mon enfant, je t'en conjure devant Dieu, devant les autres. » Et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger. Prêche la parole. Amen. Parce qu'il va arriver un temps où les hommes ne supporteront pas la doctrine, la sainte doctrine. Frères et sœurs, nous sommes tous des hommes. Et imaginez effectivement que tous les prédicateurs, les hommes et femmes, sont contre toi à cause de la position pour la parole. C'est pas facile. Amen. Si Dieu n'est pas avec toi, tu flanques. Oui. Bien sûr, mon frère. C'est ça, la nature de l'homme. Mais quand Dieu tient un homme, vous pouvez vous liguer même 1 million. Il ne va pas bouger. Amen. Oui, mon frère. Parce que c'est pas l'homme. C'est la main de Dieu. Amen. Et Dieu, l'homme, il est destiné à ça. Même s'il reste avec une seule personne, il prêchera la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a un élu quelque part. L'élu doit entendre, reconnaître, effectivement, alors il agit. C'est pourquoi nous comprenons que pour... C'est pour ça que vous avez remarqué, frère et soeur, que dans les dénominations, on peut dire effectivement, ce n'est que l'onction. L'onction, parce que, après avoir fait blablabla, je vous ai apporté, blablabla, oui, les prophéties, effectivement, mais les filles, dans les boîtes, on les trouve. Les gros machins, trucs ici. Moi, j'ai vécu avec les gens, je connaissais ces gens. On veut dire de pouvoir prier avec elles, là, toute la nuit, effectivement, le lendemain, et c'est la veille, papa, boum, boum. Il dit, ça va, oui. Je dis, mais, eh bien, c'est. Je vois que moi, Dieu me connaît, tu sais, j'ai vécu ça. Il dit, mais quoi? Ça me dit. J'ai dit, donc c'est vrai, j'ai dit, pardon. J'ai dit, pardon, où c'est? Tu vas où? Je vais dans la boîte. Pourquoi faire? Mais je vais danser. J'ai déjà servi Dieu. Maintenant, c'est que je vous dis vrai. Frère, moi j'ai souffert beaucoup de moi. Et j'ai vu des choses que vous n'avez pas encore vues. J'ai dit, pardon, j'ai dit, oui. Et elle est partie. Et elle a fait soukou. Et s'est sentie bien. Et puis elle est revenue la semaine aussi. Et puis elle a prophétisé aussi. Il va dans le centre du monde. Et puis il dit, dimanche, je suis une fille de Dieu. Donc, ce que Dieu attend de toi, c'est de voir comment tu réagis. Parce que le Saint-Esprit, c'est un don. Amen. Que Dieu... Vous avez entendu ça, non? Que Dieu accorde à ceux qui lui obéissent. C'est écrit. Donc, à ceux qui lui obéissent. Nous obéissons à la parole de Dieu. Parce que si nous disons, Seigneur, envoie le Saint-Esprit parce que oh, je dois partir en enlèvement. Les motivations ne sont pas justes. Nos motivations, c'est vrai, nos motivations ne sont pas justes devant Dieu. Il faut, et pour le Seigneur, je le veux parce que je vais avoir la force de pouvoir t'aimer encore. Parce que je sens que je ne t'aime pas beaucoup. Je veux que le Saint-Esprit vienne. Je sens que quand je chante pas vraiment encore beaucoup. Je veux encore que quand je chante, mon frère, mon Seigneur, même si le sol va trembler, qu'il tremble, Seigneur. Je veux que quand je prie, frère Seigneur, même jusqu'au matin, je ne vois pas l'heure, mais je prie, je fais cela. Ah, Dieu dit, voilà la personne qui m'aime. Et le sceau est marqué. Amen. Oh, si sa parole considère ses promesses, garde-les dans ta vie, tu verras ses merveilles. Considère sa parole. Considère ses promesses, garde-les dans ta vie, tu verras ses merveilles. Notre Père et notre Dieu, viens nos cœurs tournés vers toi encore ce soir. Nous réalisons que nous avons encore beaucoup à prendre de toi. Oh Jésus, mon Seigneur, le peu Dieu que je connais, je te remercie. Je veux encore être instruit, mon roi. Je veux encore davantage apprendre de toi, mon Seigneur, et pitié de moi. Je suis encore nous aider avec ce
preuve que tu m'as accordé la grâce de pouvoir conduire, Père. Merci à qui est devenu, au délit de venir pour beaucoup encore dans ces moments, mon bénévole Patricien. Un peuple dont le cœur on se moque, mon bénévole Seigneur, accorde la position de ta parole à toi, mon Seigneur. Je prie pour chacun de nous, Père. Tu le bénisses, mon roi, que tu le fortifies. Que ton ange précieux, glorieux, bénévole Père, puisse encore agir encore davantage pour moi. Et manifester encore la puissance de l'autorité au Père, Seigneur, dans leur vie aussi, Père. Dieu, notre Dieu, ce soir, je te remercie. Je m'en gloire à ton nom encore, mon maître béni. Je glorifie ton nom encore ce soir, mon Seigneur, pour ta grande miséricorde et tes grandes grâces. Merci. Ce soir, nous avons besoin de la grâce. Nous avons Thank you.
Merci encore pour avoir tout le plaisir. Oh, que tu te mets à moi, partir de nous, que ce soit, que
encore et les rois pour toujours à jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que nous voulons nous rapprocher de toi. Seigneur, toi, tu nous as aimés le premier sur le bois du calvaire. Ô éternel, notre Dieu, tu nous as fait une promesse que tu viendras nous chercher. Ô Seigneur, c'est pourquoi, Père, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que cette parole travaille en nous, Père, afin que tu nous trouves prêts, Seigneur Jésus. Ô notre Dieu, nous nous attendons à toi. Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui effectue toutes choses en nous. C'est pourquoi nous lèvons les yeux vers toi. Parce que le secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient de toi qui as fait les cieux et la terre. Seigneur, c'est pourquoi nuit et jour nous voulons t'invoquer. Nuit et jour, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons crier à toi. Afin que toi, tu fasses ton travail, Seigneur. Afin que toi, tu nous tailles. Afin que nous soyons à ton image, Seigneur. Ô notre Dieu, souviens-toi, Seigneur, que tu nous as fait une promesse. Tu as dit l'œuvre que tu as commencée en nous. Tu ne vas pas, Seigneur, l'abandonner. Oh, tu vas l'achever. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur ça, Seigneur. Nous voulons être encouragés, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Croyant vraiment que toi, Seigneur Jésus, tu feras ton œuvre et que tu fais ton œuvre. Parce que, Seigneur, nous voyons ta parole. Tu nous envoies ta parole tous les jours, Seigneur. Tu nous avertis tous les jours, Seigneur. C'est pourquoi t'entrer nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs ne s'endurcissent pas. Du boire, du manger, Seigneur Jésus. Mais Père, que nous sachions lutter à genoux. Que nous sachions te rechercher. Seigneur, que toi, tu ne déteignes un cœur brisé, contrit. Tu entends nos prières, tu veux que nous nous rapprochions encore plus près de toi. C'est pourquoi nous te désirons dans notre vie, Seigneur. Entends nos prières, entends nos supplications. Nous voulons te remercier de ce que, Seigneur, tu nous préviens, Seigneur Jésus, de ce que tu nous avertis, ô Seigneur, parce que nous ne voulons pas tomber, Seigneur, de l'autre côté. Mais souviens-toi de nous, tiens-nous par la main et merci, Seigneur, pour toutes ces avertissements. Aide-nous, Seigneur, à mettre cette précieuse parole en pratique, parce que nous avons été destinés pour cela. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Nous nous recommandons à toi et te remercions pour ton serviteur que tu as fortifié, Seigneur, que tu as renouvelé. Merci, Seigneur Jésus, pour chaque frère, pour chaque sœur. Merci, Seigneur Jésus, que nos oreilles ont entendu. Mais laisse que cela descende dans mon cœur, Seigneur, dans mon âme, dans l'âme de mon frère, de ma sœur. Nous croyons de tout cœur que tu le verras et nous te disons merci.